Bonjour YouTube. Bienvenue sur ce moment de stress. Je suis sûr qu'il faut faire un truc genre prendre ça, le mettre un peu loin, genre là. Bah non, ça marche pas. Comment faire? Je me doute hein, de ce qu'il faut faire. Faut prendre la manivelle. On peut pousser ça? Pas du tout. Faut allumer la télé? En fait, je vois pas trop s'il est loin ou pas. J'ai pas envie de tout recommencer. Faut pas allumer la télé? Je me suis dit, faut allumer la télé, ça fera du bruit. Ah, ou alors faut casser. La télé avec. Toujours pas. Et bah... Jusque là c'était intuitif. Hein. Faut peut-être juste pousser la porte. Hein. Non là je comprends pas ce que je dois faire, ça me bloque. Ah, faut escalader là? Bah non. Presque. Hein. Ou alors faut passer là, sauter sur la... La chaise, mais apparemment non. Ou alors faut pousser la chaise avant. Ça ne marche pas. De pouvoir la pousser. Et puis c'est bizarre parce que je peux pas prendre la manivelle. Mais la manivelle, j'ai l'impression que je dois la ramener de l'autre côté. Mais je sais pas comment je peux la ramener de l'autre côté, la manivelle. Parce que je peux pas escalader avec une manivelle dans la main. Ben non, j'escalade pas la chaise plus que ça. Quoi. Et puis en plus, il y a une musique de stress, alors que là, depuis tout à l'heure, le mec vient pas. Donc s'il vient maintenant, je serais quand même très étonné. Escalier plus. Ça, on peut pas le pousser. Ça, on peut pas le jeter plus loin que ce que j'ai déjà fait. Ou alors, faut le jeter de tout en haut. Alors il y a un truc ici. Non, il n'y a rien. Je fais tellement de bruit, il vient pas, que là ça devient ridicule. Je vois pas comment ça pourrait marcher de faire du bruit pour le faire venir. Il faudrait que je me déplace un peu plus par là peut-être. Ok. Toujours pas, hein. Sinon, l'autre option, ce serait allumer la télé, mais je comprends pas, ça marche pas plus que ça non plus. Ah non, faut allumer la télé avec cet objet.
C'est nul. Moi, je veux bien quand c'est des gros boutons très haut, mais... Là, on est à hauteur du bouton, quoi. Donc, je comprends pas pourquoi faut ça pour l'allumer. J'irai pas allumer la bougie. Hein. J'ai pas envie de perdre du temps. Il va arriver dans pas longtemps. Il est là dans quelques secondes. Pourquoi j'arrive pas à passer? Il ne peut pas passer par ce tuyau. Par contre, ici, oui. Alors, j'imagine que je peux pas passer au milieu. Ah merde, comment je fais? Ah, il y a un truc à pousser dessus, non? Que j'ai pas vu. Bah ça. Ouf, j'ai failli tomber. Est-ce qu'on peut le bloquer? Alors j'ai pas envie de le lâcher parce que là il va repartir dans l'autre sens vu qu'on est en train de tanguer dans ce sens là. Et j'ai la flamme. Donc je vais attendre qu'il repasse. Dans l'autre sens, je suis quelqu'un d'intelligent, vous croyez pas comme ça, mais... Hop! Porte ouverte. Incroyable, aucune confiance dans ces marches. Vu l'angle de caméra, aucune confiance. Bah non. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il réussisse à me choper quand même. Je me suis dit, c'est bon, il a la main en l'air. En fait, non. Il a senti que j'étais là. En fait, à chaque fois que le jeu recharge, il déplace ma souris dans sa fenêtre. Là, vous l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Et je sais que si je fais un truc, je sais pas quoi... Eh ben, il va m'afficher le curseur. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Attendre. Je sais pas quoi faire, hein. Est-ce qu'il va s'arrêter à un moment donné, ou... Ah, il fallait pas courir en fait, c'est tout. D'accord. Bonjour Laura. J'ai dit Laura, hein, pas Laura. J'ai pas donné un nom. J'ai pas appelé Laura, Laura. On va falloir sauter là, non?
Ah, il m'a eu, direct. Il fallait courir. Il va me manger. Il va me manger. C'est sûr. Mais je n'y arriverai jamais. Je sais pas comment faire. J'ai l'impression que c'est cette porte là, mais je sais pas comment l'ouvrir. Il va me choper. Il m'a chopé. Je sais pas comment faire. Ok, donc on est vraiment là. Ah, ou alors c'est pas comme ça. Non, bah oui, il m'a chopé. C'était quoi ce bruit de paix? Il me chope en faisant un... Ou alors il faut que je prenne ça. Non mais je peux pas la tirer. Mais du coup je comprends pas ce que je dois faire. J'ai l'impression que c'est... Bah non mais là il m'a eu, oui. Comment je peux faire? Ou alors là je peux tirer un truc? Non, bah non. Non, là je peux que monter. J'ai vraiment l'impression que c'est là, mais... Ah, mais il faut tirer la... La cage, en fait. Comme ça, ça va lui couper la main. Non, il m'a eu. Faut faire les deux trucs, j'ai l'impression, les deux pans pour que ça se ferme. Mais c'est chaud. Genre là, il le protège. Là, faut aller là-bas. Comme ça, il va un peu là-bas. Non. Là, ensuite, il va à nouveau faire... Oh non! Oh, vite! Là, je vais du coup là-bas parce que c'est trop loin pour lui. Là, il se dit, ah bah faut que j'y aille. Là, je vais là, et je tire sur celle-ci. Et ça marche pas. Et ça marche pas du tout. Du coup, je comprends pas. Bah oui, Kenai non plus comprend pas. Je sens que je tiens un truc, hein. Mais quoi donc? Bah là, il me chope tout de suite, oui. Quoi faire? Quoi faire? Oh, le jeu qui lag. Que faire? Que faire? Que faire quand je lag? Donc là, je me remets là. Là, il restresse. Il se dit, bah, je vais chercher là-bas. Moi, je reviens. Et là, ça marche pas. Et il veut me choper. Et il réussit. Alors, quoi faire? Je suis perdu. Quelle est la strat? Là, je vais là. Là, je me dis... Oh! Ah, mais il m'a chopé. Et il m'a pas chopé avec le même son que d'habitude. Que faire? Il y a 2-3 fois comme ça où tu sais pas trop. En fait, j'ai l'impression qu'il faut attraper la barre de fer, mais ça marche pas. Mais... Ah oui, mais alors, faudra peut-être vraiment faire celle de droite d'abord. Parce que là, j'ai bien réussi à attraper celle de droite, alors d'habitude, c'est celle de gauche. On va réussir. Donc faut d'abord faire celle de droite, je pense. Non, il vient. Mais pourquoi il vient aussi vite? Je comprends pas. D'habitude, j'y arrive. J'attendais plus. Il a vraiment des longs bras, quand même. Parce que si j'attends plus que ça... Ah non, d'abord. Ok.
Il vient là. Ok, donc si je vais là... Ah mais là c'est lui qui vient me choper. Ah, merde, mais comment je fais? C'est bon, je commence à capter. Il y a un pattern des bras. Donc le premier bras, là il tient le truc. Il les tient tous les deux. Lui il va chercher à droite. Donc si j'attends un peu... Bah non, mais il m'a eu direct. C'est bon, je vais m'en sortir. Pattern des bras. Lui il arrive là. Lui il va venir pour me chercher là. Donc je vais ici. J'escalade. Il y a cette main qui part par là-bas. Elle, ça va mieux. Donc du coup là on vient. On enlève celui-ci. Là, il fait « Oh non, mes bras !» Donc là on monte ici. Pour se protéger. Là, il y a une main qui va venir ici. Donc on va venir ici. Comme avant. Là on vient là. Là t'as les deux qui cherchent. Lui, il vient là. Il va me chercher là. Pendant ce temps... Non, il y a l'autre qui arrive là. Donc il faut se barrer. Donc on peut se remettre ici. Lui cherche là-bas. Alors le truc c'est que lui, il va revenir là. Mais lui, il va revenir protéger l'autre. Donc quand est-ce qu'on y va nous, du coup? Je ne sais pas. C'est une bonne question du coup finalement. À quel moment on a une... Ici? Et là j'arrive pas à la prendre. Du coup quel est le pattern? Est-ce qu'il faut juste survivre longtemps? Ou est-ce qu'il faut retourner péter un truc là-bas? Est-ce qu'en fait j'aurais dû faire l'autre côté de la cage avant? Est-ce qu'au bout d'un moment ça va se barrer? Ah, bah c'était comme ça en fait, fallait juste le faire vraiment dans le sens opposé. Non, mais il y a les bras! Les bras ils continuent de bouger, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Qui a ses bras qui bougent alors qu'ils sont morts? C'est dégueulasse! C'est bon, j'ai niqué le pattern. Du coup, l'épisode YouTube est beaucoup plus long. Merci d'avoir regardé. Des bisous. Ciao. Ça m'a concentré. Je pouvais pas couper à son bras. Ciao.